Non, il n'y a pas mort. Manager. Manager et spécialiste des questions marketing promotionnel. Voilà Stéphane Akam. Voilà la petite sœur Olga avec qui Ténon était à 3 heures avant de se séparer. Voici Paul Harry Janéa. Voici promoteur culturel, manager, assistant. Voilà notre frère. Vous voyez, non? Au fait, ce n'est pas. Voilà tous ceux qui sont à l'hôpital. Hein. Voilà tous ceux. Voilà. Il pleut, mais on est là. Il pleut, mais on est là. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut qu'on sache. Non, c'est pour. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour saboter les gens. Nous sommes quand même là. Nous sommes quand même là. Quand il y a un problème quelque part, on essaye de tout stabiliser avant de tout raconter. Maintenant, plus de peur que de mal. L'enfant est sucédatif. Il y a les fractures, mais Dieu veille. Et une fois de plus, les condoléances à la famille de la petite attristée. C'est très dur, c'est très compliqué, mais ça va aller. Voilà. Hôpital Akintini. Les Camerounais ne se soutiennent pas. Hein? Non, on ne se soutient pas. Avec ce que Ténon a eu là, qu'il est passé, qu'il a presque failli passer des vies à Clépa. Il n'y a pas les gens à l'hôpital, les gars. Nous voilà, nous tous. Nous sommes peu. On est fort sur les réseaux sociaux. Même si avec qui il était, oui, on voit personne. Allô? Voilà ça. Allô? Voilà. Pour la rire. Ça va. Tu peux dire quelque chose pour la rire. Tu le masque. Sauf qu'on l'a appelé quand même. Non, non, mais tout ce qu'on peut dire là maintenant, c'est qu'on croise les doigts, comme rétablissement à lui-même. Et pour le moment, la personne, c'est la famille de la défunte qu'on déplore le plus, parce que c'est eux qui ont perdu quelqu'un. Donc il y a Stéphane aussi qui n'est pas dans un état, qui est dans un état critique. Maintenant, on espère juste que ça va aller, qu'ils vont s'en sortir. Voilà, l'ami d'enfance de Ténon, artiste Olga, qui était ensemble hier. D'accord. Hein, Olga, tu peux dire quelque chose? Tout ce que je peux dire, c'est si on prie pour lui et on espère qu'il va se réveiller, qu'il va aller mieux. Voilà. C'est dur pour tout le monde. Surtout que on veut le soutien camerounais parce que là, on est à l'hôpital, aucun artiste n'est là. C'est un peu bizarre. Les gens sont au courant depuis 4 heures du matin que Ténon a fait l'accident. Et quoi, un grave accident où il y a même le mort. Il y a même un mort. Personne, la voiture a même pris feu, gars. Les gens ne sont même pas là. Tous ses amis, les amis stars avec qui il postait tout, ils ne sont pas ici, là. Hein, c'est nous, les amis d'enfance avec qui il a grandi, qui sont là. Parce que c'est notre frère. Donc on est là, on espère juste qu'il va aller mieux. On reste positif. Oui. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu petit problème comme ça, c'est le peuple qu'il y a eu dans la rue. Le peuple, le monde entier. Chacun faisait les directs. À peine au Cameroun, on fait le direct. Même le petit direct, le seul direct qu'il y a, c'est... Vous allez voir, on va pas peut-être bien partager ça. Et hommage à la famille d'Erika, la petite de 22 ans qui est partie. Vraiment, c'est une fan. Elle faisait partie des leaders du fan club de Ténon. C'était une ténorifiée venue soutenir son artiste. Ah, ça voilà. C'est Andy, là. Hein? Elle était là pour soutenir son artiste. Elle avait d'autres petits jeunes. Et on ne pense partager quand même pour que la Côte d'Ivoire puisse savoir que Ténon va mal. Parce qu'il s'agit de ça. Et ceux qui pensent que Ténon est mort, il n'est pas mort. C'est la petite qui est partie. Et voici les frères, les proches, comme vous les voyez là. Via Kenzo, beatmaker, vous me connaissez. C'est vraiment, c'est très navrant ce que nous vivons actuellement. Il n'y a personne. On décrit ça depuis. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus les Ivoiriens. Ce sont les étrangers, nous-mêmes, avec notre propre frère. Soyez un peu sérieux. Donc, on garde espoir, on garde la tête haute. Le bon Dieu est avec nous. Le petit va de mieux en mieux. Et il va sortir, il va se lever très bientôt. Et vraiment, condoléances à la ténorifiée Erika.
mal. Les gars, pardon, on dit qu'il pleut sur tous les toits. Laissez vos gens de commenter qu'on vient faire quoi là-bas. Comment vous pouvez dire qu'on vient faire quoi là-bas? Comment quelqu'un peut avoir le courage d'écrire même le genre de message? Qu'on vient faire quoi là-bas? Son nom, c'est Davis. Davis Josué. Son couple préfixe, ça veut dire qu'il y a Jésus même sur ton nom. Et c'est quoi, mon frère? Vous n'avez plus peur de Dieu? Partagez le direct. Si vous, les Camerounais, comme vous avez d'habitude, vous êtes fort que pour insulter sur les réseaux sociaux, raconter du n'importe quoi. Partagez même s'il a sa famille. Le petit, là, la Côte d'Ivoire l'a adopté. Parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas soutenir les artistes. À peine on te soutient, tu montes, tam, on va te faire descendre. Si c'est les rites que vous attendez pour faire les grands discours, dommage. C'est vraiment dommage. Si c'est les rites que vous attendez pour comme ça dire que Tenon était notre artiste, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ça, quand tu dis qu'on vient faire quoi là-bas, c'est quoi? Ta présence, c'est quoi? C'est un soutien. Je suppose que tu écoutes ses chansons. C'est même peut-être ton petit frère. C'est un soutien. Si tu détestes Tenon, ok. Dis qu'on parle comme ça. Mais si au moins tu l'aimes comme un jeune qui soulève le pays. Après, quand les Ivoiriens vont l'adopter, vous allez dire que rendez-nous notre artiste. Alors ça, ce n'est pas le jeu, c'est Christ. Nous sommes là, peut-être. J'ai pris la peine de taper d'abord 3 heures de temps avant de lancer le direct pour essayer de voir la fréquence des gens qui viennent ici. Il y a les fans. C'est les vacances, hein, mon frère Big. Ce n'est pas qu'il y a les concours où les élèves sont allés à l'école. Hein. Ce n'est pas ça, c'est les vacances. C'est-à-dire qu'il y a le minimum quand même. Ah, fait l'accident avant même que les gens étaient à la police. C'est très grave. Oh, c'est clair. C'est un peu grave. C'est très grave. Donc les artistes vont un peu connaître dans leur position au Cameroun. Ouais, effectivement. C'est pas que c'est bien parce que toi au moins tu as eu l'idée. L'idée parce que vraiment sous la pluie, tu es arrivé là, tu es mouillé, et puis tu prends du temps, tu essaies de prendre du temps et tu es avec nous, c'est vrai. Et moi je t'encourage, je te félicite et ça me va au cœur. Moi non seulement en tant que frère de Tenor, grand frère, mais également quand je me sens entouré des différents autres artistes comme ça, vous voyez, je suis en ligne là avec papa qui m'appelle, maman m'appelle de gauche à droite. Donc ça me réconforte également avec la famille artistique et puis je me sens soulagé. Voilà. Donc l'émotion est partagée. Non. Non, quand tu me dis que je suis venu faire quoi ici là, mon frère, je suis dépassé. Hein. Je suis venu relayer la bonne nouvelle à tous les Camerounais qui s'inquiètent, qui veulent savoir comment. Parce qu'il y a les Camerounais qui ne vivent pas seulement à Douala, surtout les Ivoiriens même là qui se soucient qu'il va comment, qu'est-ce qui se passe. Il y a eu le désordre ici le matin, parce que la famille de la fille. C'est-à-dire qu'on t'a la vue ici, on t'a appelé. Et il faut ça. Hein, si à travers ce direct, il y a ceux qui n'étaient pas vraiment informés, qui peuvent se ramener, ça me suffit. Je ne suis pas là parce que je ne fais plus les directs depuis des mois. On n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin de dénoncer certains trucs. On a besoin de dire certaines vérités. Il s'agit de ça. Il est presque 12 heures. C'est vrai, il y a les appels des grands frères comme les Fingonkalala qui appellent. Et ils ne sont pas là, ils arrivent, ils ont appelé. Donc, hein? Quelqu'un va dire qu'on vient faire quoi là-bas? C'est nous qui allons soigner. Quand il fait conseil, saute sur le peuple là-bas. Vous faites quoi là-bas? Vous écoutez sa musique, non? Au Cameroun, on te soutient seulement quand tout va bien. Quand tu es dans les moments compliqués, on te laisse. Si on tente de dire RIP là-bas, ils vont remplir ici, là. Sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'harmonie, hein, le chakra positif. Les prières, on a besoin de ça. On a vu les DMIs. À peine on a dit qu'il a eu l'overdose, le monde était là, c'est le conseil. Partagez ça pour les Ivoiriens, s'il vous plaît. Partagez ça pour tous les Maliens, les Congolais, les Tchadiens qui adorent Tenon. Partagez ça pour le Cameroun. Il a besoin de prières des gens. Je ne peux pas cautionner ça. J'arrive et vois Stéphane Akam en tant qu'artiste. Je vois pour la rue Janéa. Je vois Cabrel. Les gars, vous êtes où? Vous faites quoi? Plus sur tous les toits. C'est terrible. Ce qui est arrivé, accident. Hein? La voiture, les deux voitures, la voiture allait en fumée. Il y a eu mort d'homme. Quand on dit qu'il y a eu mort d'homme, ça veut dire que c'est très compliqué. Compliqué. Oui, c'est possible là. C'est possible. Une fois, venez vers les urgences là. Venez vers les urgences. Là maintenant, Kossi qui est en train d'appeler, voilà Tizi Pancha qui est en train d'appeler, ça c'est pas bon. Ils vont dire qu'il était pas. Non, peut-être croire que c'est le buzz du son. Quel buzz du son? Même quand c'est le buzz, tu appelles d'abord pour savoir, regarde.
Moi, quand j'ai vu les trucs sur les réseaux sociaux, j'ai appelé ta fille, j'ai appelé le manager. Que gars, qu'est-ce que je vois? Est-ce que. Nous sommes quand même, nous avons tous les contacts des managers d'artistes. C'est pas comme si entre artistes on se d'accord, connaît d'accord, pas. D'accord. Dès qu'on est là, on connaît là, les managers, on connaît. Donc quand il y a quelque chose qui semble bizarre, le souci même que tu appelles, quand tu appelles même, c'est pour montrer que gars, tu te soucies, tu as, tu veux savoir. L'empathie. L'empathie, effectivement, parce que ce que Stéphane souligne là, très très important, parce que figurez-vous. En ce instant là que quelqu'un tu es artiste et tu te sens pas peut-être que encouragé ou encadré par X et Y, vous voyez, c'est mieux quand même d'appeler, de savoir comment il se porte. Là ça va droit au cœur, ça crée de la chaleur. Ça crée de la chaleur, moi je pense que c'est ça. Hein? Là, c'est mais bon. C'est clair. On a besoin vraiment que les gars changent de mentalité. Parce que je suis sûr, nous tous, quand on se réveille, la première des choses quand on se réveille, c'est d'abord le téléphone. Tu regardes d'abord si tu as eu un message. Et ça, c'est une nouvelle qui, depuis 4 heures du matin, circule. Personne ne va dire qu'il n'est pas au courant. Donc, je déplore vraiment que les artistes, qui, surtout ceux qui sont à Douala, on va dire que bon, peut-être certains ont eu des occupations, mais au moins le souci, parce que même dans les posts, on regarde les posts sur les pages Facebook, on ne voit pas beaucoup de réactions. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Arrêtons de faire en sorte que. Arrêtons de laisser que ce soit toujours ailleurs qu'on valorise, que ailleurs nous volent nos talents. Arrêtons. Mais le véritable problème, c'est qu'on essaie même d'être rationnel. On implore quand même aux prières des gens. On essaie de relayer l'information. Parce que le but du direct, c'est de dire quand même que c'est vrai. Il y a eu mort d'homme, la petite, elle est passée de vie à trépas. C'est-à-dire que tu trouves toujours des gens sur les réseaux sociaux qui trouvent toujours. L'occasion de te moraliser, genre on vient de faire quoi, oh, c'est ouais. Le but du direct. Mais c'est sérieux même dans la vie des gens. Oui. Donc vous ne pouvez rien faire, pardon, restez tranquille. Partagez, si nous les Camerounais ne peut pas se soutenir, partagez les Ivoiriens. Hein? C'est quoi? Toi, tu peux avoir un accident comme ça, tu n'as pas les membres de ta famille, c'est le public, c'est le peuple, ceux qui sont là qui te portent pour t'amener à l'hôpital, en attendant que tu arrives. Mais c'est ce qui s'est passé avec... C'est quoi ces histoires-là? Voilà Benjo. Et quand on voit Benjo, c'est-à-dire que c'est la voix des taux. C'est-à-dire qu'il a appelé que c'est comment? Les gars sont venus. Il s'agit de ça. Hein? Il s'agit de ça. Ah, si je vois dans l'appel des frères, comme les grands frères, comme les Fingon, les Kossi, tout ça, il dit que les gars, ah, moi j'ai fait ma part. Hein. Peut-être les gars doutent encore. Pour le moment, c'est vrai. Et le gars va mal, il est même sous sédatif. Il s'agit de ça. Il faut moins se partager. Peut-être que les gars croient qu'on est en train de blaguer. Voilà ça. Voilà l'hôpital. Voilà ceux qui sont à l'hôpital pour le gars. Voilà. Salut maman. C'est comment bro? Ouais. Voilà, c'est la famille représentée. C'est les proches des ténors comme ça. Voilà ceux qu'on trouve à l'hôpital. Vous allez bien? Là au moins ça prouve qu'il y a le soutien. Mais pour le moment les gars, frérot. Dire un mot, je te présente et tu dis Outlaw Frenzy, tous nos prières. Voilà, on va vous passer comme ça le manager de l'artiste. On l'appelle ta fils, c'est lui. Il y a eu bagarre ici là. Non, pour le moment, c'est compliqué. Ta fille, s'il te plaît, une seconde, pardon, viens un peu. Ouais. Non, voici ta fils. C'est le manager des ténors et c'est lui qui est au chevet des ténors depuis. Les gens ont besoin de savoir si ça va un peu. Parce que depuis, c'est le seul direct. Moi, il n'avait pas le choix que de faire ce direct. Et depuis là, les gens appellent. On doutait encore. Ils essayaient de voir qu'est-ce qui ne va pas. Lui, c'est ta fils, le manager de notre frère, petit frère, artiste camerounais. Si tu sors de sa tête là, pardon, dis-nous mon frère. Bon, là, avant toute chose, n'est-ce pas, je tiens profondément à regretter le décès d'une de nos fans.
d'une défunte de ténor qui était présente lors de la séance photo après le concert de ténor. C'est vraiment dommage et vraiment regrettable. Donc toutes nos condoléances à la famille. Ensuite, ténor et l'ami qui l'accompagnait sont pris en charge en ce moment à l'hôpital à Kentini. Ils subissent une batterie d'examens. Donc moi je ne suis pas médecin, donc, mais déjà la première des choses à faire c'est de pouvoir faire des examens approfondis. Donc pour se déterminer exactement le niveau de séquelles ou de chocs qu'ils ont subi. Et donc c'est à la suite donc, de ces examens là qu'on pourra déterminer si oui ou non ou pas ils vont bien ou pas. Mais sinon le choc était vraiment violent, vous avez dû voir les images sur les réseaux sociaux. Tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse entrer en prière déjà pour le repos de l'âme de notre fan qui est parti trop tôt, malheureusement. Mais aussi prier pour le repos de son âme et prier aussi pour le rétablissement de l'artiste. Il est conscient pour le moment, les deux sont conscients, que ce soit lui, que ce soit Benjo qui est son ami avec qui il était. Ils sont conscients et ils sont en train de suivre les examens. Ça ne va pas très fort, mais je pense qu'ils sont solides, ils sont jeunes, ils sont solides. J'espère vraiment que ça ira pour le mieux. Mais sinon, je tiens aussi à remercier déjà la mobilisation, que ce soit des médias, des blogueurs comme, et des humoristes comme Gabriel Manjip, cette chaîne de solidarité autour. Et aussi, je tiens aussi à saluer le personnel de l'hôpital à Kentini qui est totalement déployé pour que cette situation puisse revenir à la normale. Et aussi un salut en particulier à toute la sécurité de l'hôpital qui a réussi à contenir la foule. Et donc je profite aussi de l'occasion pour appeler à beaucoup plus de responsabilité. S'il vous plaît, modérez. On va faire un communiqué dans quelques instants. Modérez en termes d'information, parce que c'est important de canaliser l'image des gens. C'est très important, c'est l'image du Cameroun qui est en jeu. Donc soyons responsables, ayons une communication responsable autour. C'est un événement malheureux, certes, mais essayons de pouvoir gérer ça afin que les accidentés puissent revenir dans de bons sentiments et se rétablir afin de pouvoir éclaircir cette histoire. Je vous remercie. Et un mot pour tous les... C'est que la Côte d'Ivoire avait adopté Ténor et on disait que Ténor c'était quand même l'un des meilleurs artistes que Arafat aimait. Et du coup, la circonstance nous fait rappeler les mauvais souvenirs. Donc, un mot quand même pour... Restons en prière. J'espère que ça va aller. Mais je suis confiant. Parce que Dieu est fort. Dieu qui est grand. Dieu est grand. Restons confiants. Et prions pour le repos de l'âme de notre ami Erika. Erika a malheureusement décédé trop tôt, trop jeune. Merci. Voilà, dames et demoiselles et messieurs, c'était comme ça les mots du manager de l'artiste Ténor. Donc il s'agit de ça. Et désolé si on a dû manquer de respect à quelques-uns. Vous avez vu tous ceux qui sont à l'hôpital. Et merci d'ailleurs pour le soutien. Et désolé vraiment si jamais j'ai eu à avoir les propos un peu qui énervent. Il faut nous comprendre. Voilà. Donc pour le moment, je ne vais pas être long à travers ce direct parce que beaucoup de personnes appellent. Et peut-être à travers ce direct, beaucoup ont pris conscience, ils sont en train d'appeler, ils sont en train d'arriver. Vraiment, que Dieu bénisse Ténor, que Dieu bénisse le Cameroun, et que c'est la culture camerounaise qui avance. Soutenons-nous, s'il vous plaît. C'était Cabrenage, partagez le direct, s'il vous plaît. Et merci pour tout.